bien bonsoir à toutes et à tous. Un petit point sur la météo. Donc en montagne, en haute montagne même, puisque nous sommes à 1800 mètres d'altitude, en Savoie bien sûr, en Haute-Maurienne, à Bonneval-sur-Arc. Donc un petit point météo. Donc les chutes de neige qui étaient prévues aujourd'hui ont tardé à arriver. Et là, vous pouvez constater que je vous fais un petit point un petit peu sur la neige qui est au sol, qui est tombée depuis quelques, on va dire, une heure ou deux. Voilà. Un point météo en direct de Bonneval-sur-Arc. Donc, je pense que demain matin, il y aura des... Si ça neige comme ça toute la nuit, il y aura des surprises, comme on dit. Alors, en fait, nous sommes juste au pied du col, au départ du col de l'Isran. Comme je vous expliquais, à 1800 mètres d'altitude. Donc là, nous sommes vraiment, vraiment... La route que vous apercevez, là. C'est la route du départ du col de l'Isran, qui est fermée, bien sûr. Voilà. Ah bah, c'est la montagne, hein, c'est l'hiver. Vous pouvez voir quand même qu'on peut circuler, mais... je vais avancer un petit peu plus loin. Mercredi 23 novembre, en direct de Bonneval-sur-Arc. Donc ce que vous voyez au sol, là, c'est la route du col de l'Isran. Et puis, les engins de déneigement ne sont pas passés. Je pense qu'ils penseront plus tard, un peu plus tard, dans la nuit ou en matinée, en fonction des chutes de neige. Bon, c'est sûr que là, pour l'instant, à Bonneval, à cette époque, c'est le bout du monde. Hein, donc, il n'y a pas beaucoup de circulation. Voilà, donc ça vous montre un petit peu l'état de la route. Et voilà, la neige qui tombe. Avec les beaux mélèzes. Voilà, c'était un petit point météo de la Haute-Maurienne. Avec le panneau, bien sûr. Col de l'Isran fermé. Je vous montre un petit peu le... De neige qui est tombée depuis une heure ou deux, on va dire. Bien sûr, il y avait de la neige avant, hein. Et là, ça tombe. Voilà. Ça, c'est notre véhicule. Je pense que demain matin, si ça neige comme ça toute la nuit, il faudra jouer de l'appel à neige, voire plus. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour des petits points météo de Bonneval, le deuxième village le plus haut de France,
à 1850 mètres d'altitude. Des nouvelles de la météo et puis d'autres choses aussi. Passez une bonne soirée, à bientôt.